Bon, là, j'ai tout raté le maquillage. Mais bon. Bon, aujourd'hui, c'est pas important. Non. Non, mais là, qui prend les photos. Qui veut prendre les photos? Je sais pas, photographie, t'es là. Je comprends pas pourquoi. Hein. Le lendemain de la générale, Nathalie annule son contrat avec l'Opéra Bastille. Elle ne chantera pas Zerbinette. De l'Opéra, c'est parti dans 10 minutes. We begin the opera in 10 minutes. Nathalie ne supporte plus d'être soumise aux humeurs de sa voix. Elle ne veut plus vivre avec une voix qui ne lui répond plus. Elle consulte les médecins. Donc là, vous ne chantez plus depuis là, une semaine. Là, ça fait 10 jours. 10 jours, je ne chante plus. 9 jours, je n'ai pas chanté. Aujourd'hui, par exemple, j'ai plutôt la voix claire. Oui. Et je pourrais chanter. Je pourrais même faire une représentation, je pense. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a une semaine, vous m'avez dit, je ne peux pas chanter du tout. Non, je ne pouvais pas chanter. Et annulé 4 mois. Oui. Donc j'ai déjà entendu parler à la télévision, par exemple. Non, on voit super bien aujourd'hui. Bon, on voit quand même un petit machin. Je rêve pas. Mais non. Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Bah, je comprends pas. Parce qu'on là, on voit quelque chose quand même. Bien sûr, ça devrait être droit des deux côtés. Ah, d'accord. Vous avez une photo de corde parfaite pour lui montrer la différence. C'est très dur. Mais si il y a déjà un moment chez vous, c'était très bien. Ça fait longtemps que ça n'a pas été droit des deux côtés. Hein. En cherchant bien. Droit des deux côtés, on n'a jamais eu. Mais c'est peut-être une malformation de naissance. Ah ben peu importe. Moi, le problème, c'est que ça me gêne. Et alors, une opération peut le rendre droite? Oui. C'est le but du jeu. Et si l'opération réussit, tu vas chanter comme jamais tu as chanté dans ta vie avant. Là, on s'était à peu près droit, vous voyez. Ça, c'était en février 2002. C'est toujours toi. Ah, ça, c'est son dossier. Nathalie, ça fait quand même un moment. Ça fait longtemps. Ça fait deux ans. Je connais plus que ça. Ça fait plus que deux ans et demi. Et que je la surveille. Donc, j'ai l'habitude de voir ses cordes très régulièrement. Donc je vois très bien et j'arrive à relier ce qu'elle me dit, ce qu'elle ressent, avec ce que je vois, mais parce que je la connais bien et que je l'ai examinée. Je sais pas, ça va, j'ai dû faire... Je sais pas, 50. Oui, enfin, au moins 50. Entre 50 et 100 fois cet examen avec elle. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui se modifie de ce côté-ci. On a toujours pris pour quelque chose qui était la réaction à ce qu'elle avait de l'autre côté, et qui est maintenant, d'abord, aurait dû disparaître, ne disparaît pas. Elle est quand même gênée alors qu'elle travaille beaucoup moins qu'avant. Donc si vous voulez, intellectuellement, l'idée c'est qu'il y a quelque chose dans cette autre corde. On n'a peut-être pas vu la première fois, ou alors parce qu'on est parti de l'idée que c'était une réaction simplement à son problème en face, ou quelque chose qui est apparu, parce que malheureusement ça peut arriver aussi. C'est de ma faute à pas de chance, si j'ose dire, parce que là ça fait un peu beaucoup. Moi, je crois que tant que vous garderez ça, vous serez embêté. Mmh. Là, on est 9 jours sans chanter. Mmh. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision sur je le fais, je le fais pas, je le fais quand. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Oui. Non, pas s'il vous plaît. Il faut juste, à mon avis, mesurer bien quels sont les risques de cette opération. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ben, les risques, c'est que ça rate. Mais bon. Mais si ça rate, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben je chante plus. Là, pour le coup, je chante plus du tout, jamais. Ah, ben non.
Alors, donc, nous avons commencé... Ça, c'est les dernières. Ça, c'est l'état actuel. C'est l'état actuel. Et c'était très belle, ces photos. Ça, c'était avant d'avoir chanté et après avoir chanté. Donc, ça a un aspect à nouveau un peu bulleux. Et alors là, elle est très embêtée parce qu'elle rechante magnifiquement, mais elle se fatigue, elle ne peut pas arriver... Non seulement je me fatigue, en plus, je crie dans le suraigu, et c'est très difficile de faire le pianissime. Donc pour ça, je préfère m'arrêter maintenant. Bon, il y a oui, un relief... Il y a quand même un relief certain. Oui, oui, indiscutable, incontournable, indiscutable. C'est strictement unilatéral, hein, de l'autre côté, ça a l'air Le côté impeccable. Opéré, c'est impeccable, ça ne ouais. bouge pas. On peut regarder ? Bien sûr. In vivo ? In vivo. Pour commencer. Pour être sûr que c'est pas, tu ne m'as pas mis les photos de quelqu'un d'autre. Mais moi, je n'ai pas compris ce que tu as encore. Qu'est-ce que tu as ? Ben, on ne sait pas. On saura quand on ira voir. Ah, ça, microscope. Il faut aller voir pour savoir. Non, ce qu'elle a, c'est un petit... La corde n'est pas tout à fait droite. Elle devrait être. Il y a comme un défaut sur la corde. Vous n'avez pas le droit de regarder la photo ? Vous n'avez pas vu ? Si, bah, si, mais elle ne connaît rien, elle. Moi, je comprends. Là, elle est bien, elle est droite. Oui. Et là, vous voyez, il y a une petite bosse. Ah, d'accord. Vous voyez la petite bosse blanche ? Je vois. De l'autre côté, mais ça c'est probablement... Ah oui, ne me dites pas que l'autre... Non, ça c'est la beauté, c'est sûr. Pour pouvoir toucher aux cordes vocales, il faut que les cordes vocales ne bougent pas. Si vous voulez enlever un tout petit truc, les cordes vocales bougent, vous ne pouvez pas le faire. Bon, donc, quand vous endormez quelqu'un, la dernière chose qui reste mobile, sont les cordes vocales, parce que les cordes vocales ferment l'accès à la trachée artère et au poumon quand elles se ferment. Quand elles s'ouvrent, elles laissent passer l'air. Donc la dernière barrière pour ne pas avaler de travers, pour ne pas se noyer dans la salive qui coule pendant le sommeil. Ou dans l'eau. Ou dans l'eau si par hasard on dort au bord d'une rivière et qu'on tombe dedans. Si on s'endort sur un matelas pneumatique, un truc comme ça. Ce qui vous évite de vous noyer, c'est la fermeture des cordes vocales. Et c'est réflexe. Donc c'est un réflexe vital. Donc c'est un réflexe qui résiste. Ce réflexe persiste malgré beaucoup de drogues. Il y a beaucoup de drogues qui vous endorment, qui vous font perdre confiance, mais qui n'empêchent pas cette fermeture des cordes vocales. Donc on est obligé de vous endormir très profondément, et d'ajouter du curare pour que les cordes vocales soient paralysées en passant le moyen ouvert. Elle va être anesthésiée, et vous allez regarder. Et si vous voyez quelque chose, vous allez intervenir. Oui, enfin on va oui. Oui, si on va se mettre d'accord sur la question, mais oui, en principe, oui. Ah oui, moi c'est ce que je veux. En principe, oui. Moi, si par exemple, là, dans l'état actuel des choses, si vous me réveillez et que vous me dites on n'a rien fait, moi je suis dans une merde incommensurable. Non, mais je comprends bien. Parce que non, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, je le sens, ça se voit. Bon, mais c'est, effectivement, c'est tellement petit qu'on peut effectivement hésiter à intervenir. Mais, non, si. Pas dans le compte. On peut hésiter à intervenir si vous étiez gêné depuis la semaine dernière. Voilà. Mais là, ça après fait avoir toussé pendant 15 jours. Mmh. D'accord. Là, ça fait deux ans, j'ai pas été malade, j'ai rien eu. J'ai pas été malade depuis quasiment deux ans. Non, je pense que là, il y a indiscutablement... Ce que je veux dire, simplement, qu'il faut qu'on soit d'accord. Ah oui, on est tout à fait d'accord. Sur ce qui n'est pas droit, on met droit. Oui, absolument, c'est ça l'idée. D'accord. C'est ça l'idée. Non, autant la première fois, j'y allais comme ça, parce que je savais pas ce que c'était, autant là, j'y vais si vous voulez, très cool. La chirurgie des cordes vocales, la première chose à éviter, c'est de faire des grosses bêtises. Déjà, ouais, donc, faire un gros trou, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas toucher au ligament vocal, il ne faut pas toucher au muscle vocal. On sait ça, et on a l'habitude, enfin on en fait souvent. Les chances que ça soit une catastrophe et que ça s'aggrave sont quand même... Bien ce que je me dis. Voilà. Donc, je pars du principe que ça va marcher. Mais en plus, moi là, les deux ans que je viens de passer, je ne veux plus vivre ça. Donc moi, je suis même prête à changer de métier si ça ne va pas. Si je ne retrouve pas des moyens que j'estime, moi et moi seule, corrects, je fais autre chose. J'ai 40 ans l'année prochaine, on peut changer de vie à 40 ans, c'est pas un drame. Voilà. C'est triste, mais c'est pas un drame. Ouais. La vie continue.